vegan, sans gluten, à la maison. Je commence ma journée avec un grand thé. C'est un chai. D'habitude je fais du lait avec de la mousse, mais là mon lait il moussait pas du tout parce que on n'avait plus de lait qu'on achète dans le commerce. Du coup j'ai vite fait du lait d'avoine et d'amande maison. C'est super bon, c'est hyper facile à faire. J'ai pris mon blender, j'ai juste mis un peu d'avoine au fond, quelques amandes, beaucoup d'eau, une pincée de sel, un peu de sirop de date, mais vous pouvez utiliser du sirop d'érable, enfin c'est égal ce que vous avez. Et il faut mixer, 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 et ensuite juste le filtrer et ça vous fait un lait végétal. Après, ben clairement ça va pas mousser aussi bien qu'un lait de soja en brique qu'on trouve dans le commerce. Mais ça fait vraiment le job. Et du coup maintenant j'ai fait voilà, j'ai fait une grande bouteille. Je mange pas du miel tous les jours, c'est vraiment quelque chose de plus occasionnel en général. Et le miel que je mange, c'est du miel local, soit ici, soit en Espagne, du petit village d'où David vient. Personnellement, je me sens plus en accord, enfin je préfère acheter du miel de petite production locale que d'acheter du sirop d'érable qui est importé de très loin. Voilà, du coup la plupart du temps j'utilise du miel, sinon j'ai aussi commandé du sirop de date chez Cathy Domi que j'ai utilisé pour le lait végétal, les amandes aussi. Je commande vraiment beaucoup de choses chez Cathy Domi. C'est un site en ligne bio et tout, du coup j'ai un abonnement là-bas et je commande mes trucs. Aussi pour ceux qui me demandent, je fais toujours le jeûne intermittent, du coup après ça je compte pas comme jeûne intermittent. Je mange plus tard le matin. Le matin j'ai que des liquides surtout. Donc thé, café, du jus, de l'eau, de la kombucha. Ça dépend, mais je m'assure de vraiment beaucoup boire. Voilà. Du coup, pour mon petit déj, un truc que j'adore faire en ce moment, c'est manger de la pastèque, mais j'aime bien aussi la faire en smoothie. Enfin, c'est pas vraiment un jus parce que je le filtre pas, donc c'est plutôt un smoothie. Mais ça se boit vraiment comme un jus. Du coup, c'est très simple. Je vais prendre la pastèque. Je vais en couper juste un peu. C'est de la pastèque que j'achète dans un petit shop pas loin de chez moi. Qui reçoivent mais vraiment les grandes grandes pastèques, pas celles qu'on trouve en magasin d'habitude, c'est plutôt genre vraiment les grandes pastèques bien allongées. Elles sont trop bonnes, elles sont genre 20 fois meilleures que celles qu'on a pu acheter dans des supermarchés conventionnels entre guillemets. Celles-ci elles ont les pépins parce que souvent dans les magasins normaux, enfin les supermarchés, c'est des variétés sans pépins, en tout cas ici en Suisse. Celles-là elles sont trop bonnes. Ça va pas être vraiment mon petit déj à part entière, ça va vraiment être juste un peu un truc parce que je prends pas de petit déjeuner, mais un truc un peu en fin de matinée ou en milieu de matinée quand j'ai un peu faim et j'ai envie de manger un petit truc frais. En été j'adore la pastèque. Après le seul inconvénient de ces pastèques c'est qu'elles sont relativement grandes. Et en fait le problème c'est pas la taille mais c'est le poids, et du coup quand je vais l'acheter, même si j'habite pas loin, genre, je sais pas si j'arriverai à porter une entière comme ça dans les mains. La dernière fois, je l'ai juste porté comme ça, la demi, parce que j'ai acheté juste une moitié dans les bras comme ça, et genre, je suis arrivée et j'avais plus de bras quoi. Du coup, c'est un bon exercice aussi. Mais ouais, je me verrais pas devoir transporter une énorme toute seule. Du coup, voilà, je vais mixer ça. Vous êtes sur mon mixeur, du coup, je vais vous enlever. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre des glaçons ou même juste du jus de citron vert, c'est super bon. De la menthe, du basilic, on peut vraiment le tourner de plein de façons. Après, moi, je l'aime bien tout simple. Je rajoute pas d'eau parce que la pastèque, ça a beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, pour que ça garde vraiment une bonne, un bon goût, je le garde comme ça. Du coup, je vais boire ça. Je vais aller bosser un moment. Et quand je reviens un peu plus tard, je vais me faire vraiment un repas de midi plus consistant. Je viens de finir de réchauffer mon repas de midi. C'est ce qu'on a mangé hier soir avec David.
Alors, il y a du riz au jasmin. Et puis, ça, c'est de la soupe asiatique à la citronnelle, avec de l'ail, du curry vert, de la tomate, du chou, des oignons, du poivron, de la lime kéfir, je crois que ça s'appelle. Voilà, et c'est assez épicé. Et vraiment, j'adore cette soupe. Elle me fait un bien fou quand je suis un peu en train de tomber malade, mais elle est trop trop bonne. Et voilà, du coup, je vais finir cette soupe avec du riz pour mon repas du midi. Là, je viens de rentrer du lac. Je suis allée me baigner cet après-midi un petit moment. Et il est 18h30. David vient de m'appeler pour me dire qu'il serait de retour dans un moment. Du coup, on va manger un peu plus tard. Et j'avais super faim en rentrant. Du coup, je vais manger. J'ai deux nectarines blanches et des abricots suisses en plus. Du coup, voilà, je vais snacker ça en attendant que David vienne. Je vais peut-être me faire un truc à boire aussi. On va manger le dîner et c'est David qui a fait un smoothie bowl. Du coup, il y a quoi dedans? Il y a des fraises, la banane, une pomme, du peanut butter, du lait d'amande que t'as fait aujourd'hui. Ouais. Puis ça, c'est du granola maison, du sarrasin, du pudding de chia et des fraises suisses. Du coup, j'avais encore un peu faim. Je me suis fait des pois chiches façon un peu thon avec des câpres, des paillettes de nori, du tahini. Normalement, il y a de l'oignon et de la moutarde, mais on n'a vraiment plus grand-chose dans le frigo. J'ai mis du citron vert aussi dedans et un peu de poivre. Et des tomates, et ça c'est du pain sans gluten, aux graines, aux olives, que je trouve chez Katidomi qui est trop bon, on l'adore avec David. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à en faire moi-même, mais en tout cas quand je commande chez Katidomi, j'en achète à chaque fois. Je vais vous montrer l'emballage. Voilà, c'est ces pains Living Seedful qui sont trop trop bons, on les adore. Et voilà, on les met au frigo et ça se conserve assez bien. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'aurais mangé dans ma journée. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao !